Mère bien-aimée, dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, de Nazareth, au même cap sur nous, et puis partout à travers le monde, cap sur nous, depuis en Haïti, cap sur nous au Brésil, Chili, aux États-Unis et tant d'autres pays, République dominicaine, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui gagne tout pouvoir, qui gagne toute puissance là. Et nous disons merci aussi pour le travail pas ou que vous faites. Parce que lorsque nous postons et puis nous partageons, ça c'est un travail que vous faites aussi. Vous faites un travail d'évangélisation. Que le Seigneur est capable de bénir, que le Seigneur est capable de jeter grâce, que le Seigneur est capable de manifester l'amour dans le cœur ou plus chaque jour. Pour capable toujours travailler pour le Seigneur. Parce que le travail n'est pas pour nous et c'est pour nous-mêmes seulement qui devons faire. Ce n'est pas nous-mêmes seulement parce que. La parole de Dieu dit, la moisson est grande mais peu d'ouvriers. A dit que nombre d'ouvriers, le Seigneur a cherché, nombre de l'ouvrier, que le Seigneur relé, il n'y a pas joigné. En plus, le monde était dans l'incrédulité. Il aurait été comme il fait la sous oreille pour ne pas travailler pour le Seigneur. Mais nous-mêmes, que le Seigneur mandaté, il a nous tout un mandat pour nous travailler pour lui, nous voulons travailler jusqu'à ce que le soleil a couché. Mais bien-aimés, justement, nous là, pour nous faire une prière, pour nous aller dans la prière, hein, pour nous aller dans la prière, pour nous capables de prier pour l'obéissance de Dieu, capable de manifester dans la vie nous. Parce que l'obéissance, hein, désobéissance, l'obéissance, hein, parce que quand on obéit, ça bien, c'est bien pour le Seigneur et ça fait bon Dieu plaisir. Parce que en pile fois, la vie nous qu'on gâche ou bien nous qu'on rencontre des chocs sur route nous, c'est parce que nous désobéis le Seigneur Dieu lui-même. En plus une fois, c'est pas rien mal que vous faites ou à payer, mais c'est parce que vous pas obéi à la voix de Dieu. Vous pas obéi à la voix de Dieu. L'esprit de désobéissance te prend contrôle la vie ou littéralement nous désobéi et depuis lors au gain tant qu'ou ou vinn gâcher la vie ou gâcher. En yon fait ou pas ka réussi, en yon fait ou pas ka marcher dans la joie. Mais le Seigneur, parce que ou te désobéi, le Seigneur lui-même. Eh bien, à matin, nous voulons faire prière ça et pour rappeler ou que ou doit obéir avec la voix de Dieu. Hein? Ou doit obéir avec la voix de Dieu. Parce que si ou pas l'obéir avec la voix de Dieu, il n'est pas aussi facile pour n'est pas aussi facile parce que nous capables retrouver dans la Bible tout monde qui désobéit à Dieu et qui résultat y joigne et monde qui obéit avec bon Dieu qui résultat qui joigne aussi parce que lors désobéit ou joigne un résultat lors obéit à Dieu aussi ou joigne un résultat ou joigne un résultat parce que et les deux résultats ce sont les deux résultats différents. Vous comprenez? C'est deux résultats différents, obéir à Dieu et désobéir à Dieu. Vous comprenez? Désobéir à Dieu et obéir à Dieu. Eh bien, maintenant, nous voulons à la prière, bon Dieu lui-même, pour nous capables de demander pour l'esprit d'obéissance, li, hein, capable de manifester dans la vie, nous, capable de jaillir dans la vie, nous, lorsque lui-même, bon Dieu, lui parler, pour nous capables d'obéir, mes bien-aimés, pour nous capables d'obéir. Quel que soit Jean bon Dieu parler avec nous pour nous toujours couper nous devant l'obéissance de Dieu avant même que nous fait ça nous entrer dans la prière et nous voulons partager texte avec vous qui c'est dans 1 Samuel chapitre 15 le verset 22 1 Samuel chapitre 15 le verset 22 qui ça le dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Hein? Ou après là, parce que lorsque bon Dieu lui-même l'était parlé avec un Saïl, il était parlé avec Saïl pour aller livrer la guerre avec les Amalécites. Et il était observé, il était
mandaté ou bien il t'est passé ça il y a l'autre puis il t'est prend en yen peuple là et lorsque ça il t'est fin fait tout ça que li essayé te ba l'autre fait et l'est arrivé sous point pas prend en yen ça il amassé tout bagay moun yo qui c'est le bœuf moun yo qui c'est cabrit moun yo qui c'est mouton que moun yo te gen ça il amassé tout net dedans. Mais bon Dieu lui-même dans souveraineté il était roi ça et lui parler avec Samuel tout de suite à joindre Saïl que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices parce que ça que fait verset a dit ça c'est parce que lorsque Samuel a joindre Saïl pour parler avec lui et bien ça Saïl te dit que lui te prend toute bête graille c'est pour être capable offrir des sacrifices pour le Seigneur pour le Seigneur. Mais bon Dieu pas dit Saïl pour te prendre pour te offrir au bali. Et ça fait exemple dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Hein? Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Donc au lieu pour Saïl tu fait tout sacrifice plutôt tu observer ça que bon Dieu te dit là. Et il va continuer chapitre là. Au bois le Seigneur dit que il repentit de ce qu'il était fait ça il comme roi. Ouais. Et bien mes bien-aimés, toujours travaille en ce sens. Toujours travaille en ce sens pour bon Dieu pas dire t'es aigrette de ce qu'il te levé tête ou devant famille, de ce qu'il te levé tête ou devant voisinage, de ce qu'il te levé tête ou devant petit frère ou devant grand frère ou devant petit sœur ou devant grand sœur, devant parents. Gen parents de fois qu'on veut nous jeter, qu'on pas veut nous, qu'on pas encadrer, qu'on pas bon assistance. Hein? Mais le Seigneur lui-même dans souveraineté lui qu'on levé ou. Et le bon Dieu levé ou pas travailler en ce sens. Pour bon Dieu dit il regrette de ce qu'il te levé ou. Pour bon Dieu dit il regrette de ce qu'il te faut un rade en plus. Toujours rester dans l'obéissance face à Dieu. Et nous capable ouais Saül pas de contact avec le Seigneur encore. Ça il te perdit royaume ni. Ça il te perdit royaume ni, il te perdit grade li en tant que roi. Bon Dieu te rejeté. Et nous capables dans la vie de Jonas aussi, lorsque bon Dieu voyait Jonas à Ninive, et il te joint un bâtiment qui pour aller à Tassi. Jonas paye le prix et pour voyager aller à Tassi. Hein, ce n'est pas possible hein? Parce que bon Dieu lui-même côté le parler c'est la loi qui a nécessité ça fait n'importe jour bon Dieu voyo Jean bon Dieu mandaté ou quel que soit le difficile là, pour le corps physique là, mais connaît bon Dieu lui-même li kon corps physique ou li kon l'esprit ou li kon l'âme c'est bon Dieu capable prendre contrôle et sécuriser tout bagage lorsque bon Dieu voyo Alphonse croisade dans un pays qui gagne des bouleverses et pour choisir aller dans l'autre pays, quel que ce soit où tu fais croisade là, quel que ce soit où tu fais rassembler des milliers de monde, puisque c'est pas là bon Dieu te voyo, il pas recevoir selon 1 Samuel chapitre 15 verset 21, il pas recevoir parce que texte là dit et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers malgré ça, il prétend que lui va offrir bête graille pour le Seigneur, mais Samuel dit que plutôt il était observé parole là, ça fait mieux que des graisses lorsqu'il a boulé fait des sacrifices. Hein, lorsqu'il a fait des sacrifices comme ça, l'observation t'a plus bon, l'obéissance t'a plus bon. Right? So, parce que nous joignons ça, nous voulons la prière sur ça pour bon Dieu capable bon l'esprit d'obéissance parce que en pile fois nous compte pas qu'arriver c'est parce que nous désobéir les Seigneur trop nous compte perdre du chemin hein? C'est parce que nous désobéir les Seigneur trop mes bien-aimés et nous capables observer dans la Bible dans le livre des Genèse lorsque bon Dieu va le détruire et la terre qui va passer des inondations sur la terre pour détruire. Et puis, il parlait avec Noé. Et Noé, t'es obéi le Seigneur. Noé t'échappé avec toute famille. Ou après, si Noé pas obéi, qui ça t'a privé? Et lorsque l'obéi, il fait totalement, il fait complètement ça que bon Dieu te dit le faire.
et bon Dieu t'échappe dans délige là. Ça fait en pile fois que des bagages ou écrivez nous. C'est parce que bon Dieu lui-même lui nous pas attendait. Lorsqu'il parlait nous pas obéi. Lui obligé laisser ça arriver. C'est pas vrai, t'as vrai. Des fois bon Dieu toujours avec nous. Et ça fait moi aimer le Seigneur. Bon Dieu pas fait un rien sans qu'il pas averti nous. L'homme a banné nous coup d'abso. L'homme a fait bagala brutalement, mais le Seigneur tout ça l'a fait. Liba nous yon avertissement. Ou après Jonas, lorsqu'il désobéit, au lieu d'aller à Ninive, il choisit d'aller avec Atassi. Ou après, texte là parle dans Jonas chapitre 1, il parle que au milieu de la mer, gon vent levé, moun yo pas ka comprendre. C'est ça qui fait gen moun wèk nan view, li kon rann la vou recevoir des chocs. Quel que soit ton ami pour, quel que soit type de moun nete pour, parce que lise yon kap désobéi le Seigneur pendant tout temps. Et automatiquement ou nan même ligne à moun sa wap suiv li, ou bien comme si nous maré yon amitié, et puis tout côté, koto wap pati, li la avè, li vin devenu un pied d'achoppement, li vin devenu yon, comment t'as dit ça, li vin devenu un barricade pour barrer tout ça que ou ta vle fait et qui ta. Ndadou ke bon Dieu te fait provision pour li barre toute provision sa yo. Automatiquement Jonas li même seul grain li même qui dans bâtiment, toute la vie toute reste moun yo en danger. Ouais, la vie toute reste moun yo te en danger mes bien-aimés. C'est pour cela dans le Seigneur nous mandou ça essayer très prudent lorsque bon Dieu li même li parler. Lorsque bon Dieu envoie yo, lorsque bon Dieu communique yon bagay. Pas rester dans la désobéissance parce que la désobéissance ne vient pas de Dieu. La désobéissance c'est le diable. Parce que ouais tout sauf le faire pour le Seigneur. Tout sauf le faire pour bon Dieu et nous toujours semer yon plan de désobéissance pour pas arriver faire. Et si on violent comme la parole de Dieu dit que depuis au temps de Jean-Baptiste le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Selon Matthieu chapitre 11, le verset 12. Ouais. Selon Matthieu chapitre 11, le verset 12, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que ou doit font violence. Ou après un peu de fois, ou abdomi sans prier. Un peu de fois, ou lever sans prier. Un peu de fois, ou faire un peu d'autres activités. Mais quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, quand il s'agit de faire ça que bon Dieu m'a fait, il est très difficile. Parce qu'il y a l'esprit de désobéissance, de découragement qui travaille en ce sens pour pas arriver à atteindre votre destination. Nous disons ça, mes bien-aimés, c'est juste pour encourager dans l'esprit de obéissant, dans l'esprit obéissant, ou capable pour la gloire de Dieu. Dans l'esprit d'obéissance, ou capable pour être bon Dieu face à face. Parce que un jour, quand même, Christ va retourner pour venir chercher. Mais qui monde l'a venu chercher? Monde qui t'a essayé d'écouter, le monde qui t'a obéi jusqu'à la fin. Yo. C'est monde ça qui l'a venu chercher. Il n'est pas venu chercher les rebelles, les rébellions. Il n'est pas venu chercher monde lorsqu'il t'a voué un message là pour yo. Yo pas trop suivre, il t'a fait la sous oreille. Non! Lorsque vous tendez la voix de Dieu, pas yon serviteur, pas yon servante, à parler avec vous, c'est pour observer avec un pile attention. Quelquefois, ça yon dit, hein, ou capable de sentir assez difficile pour entrer là-dedans. Mais mandez bon Dieu tout-puissant force. Mandez bon Dieu tout-puissant force pour capable entrer, marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance à Dieu. Parce que si vous pas marcher dans l'obéissance à Dieu, mes bien-aimés, les papes aussi facile. Parce que tout le monde qui désobéit, il paye prière. Et tout le monde qui obéit à Dieu, bon Dieu bénit. Yo. Parce que l'homme obéit, plutôt désobéit avec de l'homme, ou pas désobéir avec Dieu. La parole de Dieu, la commission de Dieu, ça que Dieu commissionné au, pas désobéir avec bagay sa yo. Parce que sous désobéir avec yo, bon Dieu fâché contre vous.
En pile fois, nous comptons bloquer, c'est parce que nous désobéissons le Seigneur. En pile fois, il y a des carrefours nous retrouver, nous pas qu'on si pour nous monter, si pour nous descendre, et va frapper nous fort. C'est parce que nous désobéissons le Seigneur, et le virer de bas nous. Parce que même Jean lui dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, côté que le bon Dieu t'a parlé avec Élie, il te dit, mais on s'a marché à perpétuité. Et la finalité texte, il dit, mère, t'es dans loin de moi. C'est-à-dire que, ouais, bon Dieu, ouais, c'est bien. Il a fait un Dieu en bagaille, il a prévu pour le faire en bagaille. Et puis, lorsqu'on était dans la rébellion, parce que depuis lorsque l'homme fait un péché, l'homme fait une connaissance pour le distribuer, pour le distinguer, ça qui est bien et ça qui est mal. Ça qui fait bon Dieu plaisir et ça qui pas fait bon Dieu plaisir. Au commencement, l'homme n'a pas de choix. L'homme était seulement resté dans la gloire, dans la présence de Dieu. Mais automatiquement, l'homme vient pécher, l'homme vient avoir l'autre idée, ou bien une idée qui bataille avec l'idée spirituelle. Parce que la désobéissance ne vient pas de Dieu. La désobéissance vient du diable, vient de Satan, vient de Lucifer. Parce que depuis le jardin, l'Iran, l'homme n'a désobéi Dieu. Par tendre la parole de Dieu, par marcher selon le principe de Dieu a établi. Mes bien-aimés, soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents contre l'esprit de désobéissance. Parce que des fois, il y a des bagages où on ne peut pas atteindre, parce qu'on est désobéi, le Seigneur. Sauf si on constamment de bon Dieu grâce. Mon de bon Dieu, pardon pour Edo, prend la relève, prend la route. En plus, fois, une perte de route là. Va frapper une force, soleil la chaud pour nous. La pluie a tombé sans arrêter. C'est parce qu'il était désobéi le Seigneur. Ou après, automatiquement, Jonas prend conscience. Parce qu'il fait reconnaître les sons hébreux. Et il a couru pour la face de l'Éternel. Il fait la gueule dans de loi. Et le Seigneur, dans sa grâce infinie, dans son amour infini, il te fait un poisson valet Jonas. Juste pour le cas toujours échapper Jonas. Et lui rend niveau mine à Ninive. Ouais, sauve le faire. Ou bien ça, esprit de désobéissance, le faire. L'offre fait le bon Dieu qui a toute une capacité pour ramener à lui-même. Ou bien pour prendre Jean qui a décidé. Parce que des fois, bon Dieu docile et des fois, bon Dieu allait brutalement avec l'homme, non. Parce que le loi têtu, il est obligé d'aller brutalement. Il est obligé d'aller sauvage avec eux. Nous avons un exemple en clair dans la Bible. Apôtre Paul, c'est pas qu'on a quitté apôtre. Il s'était sol de tasse. Il n'a pas l'étendu parler de la parole de Dieu. Il était toujours traité, messieurs, comme des blasphémateurs. Mais non, lorsque bon Dieu était venu prendre Paul, il parle de l'étang de vérité, eh bien bon Dieu, avec puissance, avec autorité, il frappe. Et ça fait des fois bon Dieu brutal avec l'homme, non? Il sauvage avec l'homme, non? Mais avant elle agit avec brutalité, ça, il allait avec l'amour. Il utilisait toute sagesse infinie. Et l'homme a toujours été dans la rébellion, dans la désobéissance. Et bon Dieu lui-même, il compte arriver frapper l'homme. Eh bien, mes bien-aimés, nous pourrons prier pour bon Dieu chasser tout l'esprit de désobéissance dans la vie et pour le remplir par l'esprit d'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et d'ailleurs, c'est l'obéissance qui bat naissance à sacrifice. Parce que lorsque bon Dieu voyait, premier bagage fait, à yeux fermés. Ou suivre la voie de Dieu. Et puis l'arrivée, quel que soit lié à tes dangers, ou fait ça bon Dieu bon faire. Lorsqu'on fait ça bon Dieu bon faire, n'a mis tant danger, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice parce que l'obéissance, c'est le premier pas. L'obéissance, c'est le premier pas. C'est ça bon Dieu a cherché dans l'homme. Automatiquement, ou obéit, ou a d'accord faire sacrifice. Parce que de pour obéir pour aller, ou pas capable de faire sacrifice, ou à faire bagarre. Mais de vous pas d'accord, ou pas obéi, ou rester dans la rébellion, ou pas soumis, eh bien, ou à payer sa chair. Ou à payer sa chair. Mais bien aimé, si vous pas comme ça, nous encourager pour demander d'essayer l'esprit d'obéissance.
l'esprit d'obéissance. Parce qu'il y a un pile verset qui parle, lorsque obéit, mais ça bon Dieu fait, lorsque désobéit, mais qui parole que bon Dieu déclarait contre la désobéissance de l'homme. Mais qui parole, bon Dieu déclarait un pile parole contre la désobéissance de l'homme. Il déclarait des paroles aussi contre ceux qui obéissent envers la voix de l'Éternel. Eh bien, maintenant, on va le prier dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur infiniment grand Dieu tout-puissant, et nous couper front, nous devons nous incliner dans ta présence, Seigneur, parce que n'importe côté nous relève ou avec nous. Nous venons devant, Seigneur, sous prince ça, sous sujet ça, qui c'est pour dépouiller nous de tout esprit de désobéissance, mais engendrer nous avec l'esprit obéissant, Seigneur. Parce que lorsque nous désobéissons, nous payons sa chair, Seigneur. Nous payons ça et nous ne comptons pas qu'à supporter ça, bon Dieu vivant. Eh bien, matin, nous ne savons pas combien de fois nous désobéissons avec parole. Nous ne savons pas combien de fois nous désobéissons avec une commission, une révélation, une vision que vous voyez pour nous. Mais matin, nous venons crier devant. Nous venons pleurer, nous venons lever la voix devant, Père d'amour. Engendre-nous avec l'esprit de l'obéissance, Seigneur. Que l'esprit d'obéissance du ciel capable d'entrer dans la vie, nous dépouillez-nous de tout l'esprit désobéissance, qu'apprenons nous désobéir à la voix de l'Éternel, qu'apprenons nous désobéir à la parole du Dieu vivant. Matin, Seigneur, nous demandons remplis-nous de la tête aux pieds, que l'esprit d'obéissance de Dieu capable jaillir dans nous-mêmes, capable jaillir comme une source qui toujours abaille de l'eau. Seigneur, engendre-nous, remplis-nous avec l'esprit obéissance au Seigneur. Remplis-nous avec l'esprit qui rend nous marcher devant droite, Seigneur. En pile fois, la vie nous compte bloquer, la vie nous compte recevoir des tempêtes. Comme la vie Jonas, c'est parce que Seigneur nous t'es désobéi. En pile fois, nous qu'on recevoir des chocs, nous qu'on a sorti ou parler avec nous clair, mais nous têtu et nous sorti et automatiquement qu'on sorti au cours de route nous qu'on recevoir choc yo Seigneur. Au cours de route yo, nous qu'on recevoir problème yo, difficulté yo. Mais bon Dieu vivant, ou t'es parlé avec nous déjà. Gen des difficultés nous rencontrer, Seigneur. Gen des difficultés nous rencontrer, bon papa. C'est parce que nous pas t'attendons lorsque tu parlais avec nous. Nous faire révélation, c'est vrai. Ou qu'on voit une vision pour nous, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit, faut que nous allions. Et lorsque nous qu'on choisit sortir, lorsque nous qu'on choisit faire chemin ça, que nous qu'on envie, hein, Seigneur, nous qu'on arrive dans la route. Hein. Et la pluie a tombé, le soleil a battu nous dans la tête et va venter fort. Nous ne pouvons pas même yon façon pour nous faire, pour nous échapper pour nous devant catastrophe, ça, Seigneur. Eh bien, matin, nous venons lever la voix, Seigneur. Nous venons lever la voix pour Frère Maxime, qui est sur YouTube là avec nous, qui a encouragé nous, fait travail ça, Seigneur. Yo même, par contre, combien de fois yo découragé, yo désobéi, Seigneur. Par contre, combien de fois, Seigneur, yo pris dans la désobéissance face à vous-même, mon Dieu vivant. Mais maintenant, nous prononcer que l'esprit d'obéissance capable de pénétrer en dedans, capable de pénétrer dans la vie, au bon Dieu vivant, capable de jaillir en dedans. Oui, Seigneur, parce que nous sommes capables d'observer ça bien, même nous-mêmes en tant que deux parents de foi, lorsque nous qu'on a observé des enfants et qu'on désobéit au cours, au milieu de routes, qu'on regrette, Seigneur. Nous ne pouvons pas les regretter encore. En pile, nous nous regrettons déjà, Seigneur. En pile, nous disons qu'on aime, t'as écouté la voix de Dieu. Mais Seigneur, t'en prie, avant qu'il y ait de l'autre bagaille de plus qui arrive, nous m'en remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous de l'esprit d'obéissance au Seigneur. De l'esprit d'obéissance au Seigneur. Plutôt nous désobéir à l'homme, mais nous obéir avec ça au Seigneur.
Même la sortie nous rend difficile, nous rend pas facile. Mais nous plutôt obéir avec sortie nous. Au lieu d'obéir, Seigneur, avec propre volonté nous. Parce que sa propre volonté nous rend compte, elle ne compte pas dans la volonté au Seigneur. Elle ne compte pas dans le plan pour nous. Mais à matin, Seigneur, nous prenons disposition contre tout l'esprit de désobéissance, Seigneur, qui rend à marcher devant nous par droite, mon Dieu vivant. Nous déclarons que tout l'esprit de désobéissance qui se chemine nous, qui est tombé et nous passer avec l'esprit des obéissants qui remplit notre vie. Seigneur, ta prière, bon Dieu vivant, nous demandons de remplir la vie chaque monde qui prend le temps de prier ça. Remplis la vie chaque serviteur, chaque servante, chaque veuve, chaque adulte, chaque vieillard, Seigneur. Qu'abra le temps des moments de prière ça. Remplis la vie, oh Seigneur. Remplis la vie pour gloire capable de manifester. Parce que lorsque nous désobéissons, la gloire peut manifester dans la vie, nous. Lorsque nous désobéissons, la gloire peut éclater dans la vie, nous. Lorsque nous désobéissons, la gloire peut pénétrer, peut jaillir dans la vie, nous, Seigneur. Mais nous voulons la gloire jaillir. Mais pour la gloire jaillir, Seigneur. Pour la gloire manifester. Pour la gloire couler comme une bloc cap couler, cap cap couler, cap arroser tout un territoire, Seigneur. Il fallait que nous marchions dans l'obéissance, Seigneur. Que Marie capable obéir avec Madame, Seigneur. Que Madame capable obéir avec Marie. Que Timoun capable obéir avec parents, Seigneur. Parce que lorsque nous pas obéir, même avec des hommes, bon Dieu vivant, des fois, qui recevra mandat ou nous qu'on regrette, mais Seigneur. Ta prière, n'a demandé que l'esprit obéissance capable jaillir dans la vie, non. Que l'esprit d'obéissance capable pénétrer la vie, non. Seigneur, en ce présent moment, nous levons chaque monde qui a une difficulté, chaque monde qui a un problème, Seigneur. Et même si là, par contre, prier, il y a des gens qui par contre, comment pour la prière, Seigneur. Il y a des gens qui, chaque fois, louer la prière, et nous cadenas ces bouches-là. Eh bien, Seigneur, puisque Christ est mort pour nous la liberté, nous saisir la liberté sur tout plan, bon Dieu vivant. Nous saisir la liberté sur la maladie. Nous saisir la liberté sur le problème, Seigneur. T'en prie, bon Dieu vivant. T'en prie, bon Dieu de grâce. T'en prie, Seigneur. Nous demandons, t'en prie, éclater de gloire dans la vie, non. Éclater de gloire dans la vie, peuple, hein. Éclater de gloire dans la vie, petit, ou yo. Ça n'est pas qu'on s'y peut monter. Ça n'est pas qu'on s'y peut descendre, Seigneur. Ça qui n'ont difficulté. Ça qui n'ont problème. Et par contre, qui ça peut faire? Dis un mot pour yo, Seigneur. Dis un mot pour yo, Seigneur. Ça qui sentit sans force, dans mes temps combat, dans mes nuits, Seigneur, nous m'avons rempli de force, rempli de courage, rempli de pouvoir, rempli d'autorité divinement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plein noir avec puissance pour une bataille contre l'esprit de désobéissance, Seigneur. Plein noir avec puissance, mon Dieu, pour une bataille contre l'esprit de désobéissance, Seigneur. Parce que vous voulez nous obéir avec vous. Vous voulez nous obéir, Seigneur. Vous voulez nous obéir, Seigneur. Vous voulez nous obéir, Seigneur. Oui, bon Dieu, nous voulons marcher dans ta obéissance, Seigneur. Nous voulons observer ce que vous dites, nous. Mais bon Dieu vivant, l'esprit de désobéissance a manifesté, a cherché, taquiner nous, Seigneur. A cherché, tacler nous pour jeter nous à terre. Mais bon Dieu, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, bon Dieu vivant. Remplis-nous, bon Dieu de grâce. T'as pris, Seigneur. Nous demandons, fais ça pour nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'à vivre, qu'à prédier au siècle des siècles. Amen. 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 Mes bien-aimés, c'était toute une joie, un contentement, un privilège pour nous être avec vous, pour nous être capable de faire un moment. Priez ça, que le Seigneur capable bénir, que le Seigneur capable jeter grâce, de jeter bénédiction sur la vie et passer avec vous devant tout ennemi qui sortit pour barrer route, qui sortit pour miloter en quelque sorte. Que le Seigneur capable et dédoubler puissance sur route la vie pour capable aller côté que bon Dieu lui-même lui place destination.
c'était frère ou expérience tout ce qui t'a appris avec sur page YouTube là pour la gloire de Dieu. Nous avons souhaité tendre avec encore une prochaine fois que bon Dieu capable bénir de maintenant et à jamais. Restez en paix. Please pass it, I am back.